Chaque heure, cette chaîne d'embouteillage sort 20 000 bouteilles d'eau minérale. Cette eau gazeuse fait depuis une semaine la fierté des 18 salariés. Elle est au firmament de sa catégorie, une première en France. On va montrer qu'on est champion du monde, hein, des eaux à caractère gazeuse. Le premier bénéfice pour l'entreprise, la notoriété. On va se faire connaître partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Chaque seconde, 175 bouteilles d'eau minérale sont vendues en France, un marché en forte progression, car les prix baissent grâce aux eaux de source, aux promotions. Autre explication, la santé. Les Français freinent sur les sodas. L'eau en bouteille bénéficie aussi d'une meilleure image que l'eau du robinet. Les mairies doivent amener de l'eau potable au robinet. Seulement, c'est vrai que pour avoir certains critères, on est obligé de les traiter. Et ces critères font qu'elles donnent des goûts. Il y a des gens qui sont très réceptifs à ce goût et qui préfèrent acheter de l'eau en bouteille. Des ventes qui permettent à de petites structures de grandir, d'exporter leur production. En France, les ventes de bouteilles d'eau représentent 21% du marché des boissons sans alcool.